Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Que la miséricorde et la grâce de Dieu descendent partout où vous êtes. Vous qui nous suivez en direct dans vos maisons et partout à travers le monde entier. Laisse que la faveur divine, que sa bonté ou ses bontés infinies se déverse dans vos vies et dans vos maisons et partout où vous nous suivez. Et c'est donc pour la seule gloire de notre Dieu. Nous disons gloire à toi Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Disons merci à Dieu bien-aimé, parce que chaque jour, il nous accorde cette grâce ou la faveur de se réveiller chaque matin. Il nous donne la force comme un buffle et il nous fait voler plus que l'aigle. Je l'ai dit souvent et je le répète de temps en temps, que dormir et se réveiller, ce n'est pas question d'habitude, mais c'est juste une grâce de la part de l'Éternel. Je dirais encore mieux, c'est un miracle. Ce matin, on m'apprenait qu'il y a quelqu'un avec qui on a causé hier. Apparemment, elle apparaissait en bonne santé, mais on m'appelle ce matin qu'elle est décédée. Est-ce que savait-elle qu'elle allait mourir ce matin? Non. Donc, toi qui as cette grâce-là de vivre ou de respirer à chaque instant, dites-toi que tu n'es là que pour faire la volonté de notre Dieu, celui qui nous donne chaque jour le souffle de vie. Vous pouvez également ne plus être en vie ce matin, comme ce fut le cas de notre maman. On nous appellera maintenant qu'elle vient de mourir. Dommage. Je me pose souvent la question, qui suis-je pour mériter la grâce de Dieu? Et c'est cette question-là, bien-aimé, que nous, en tant que chrétiens, devrions-nous nous poser de temps en temps si réellement nous méritons alors cette grâce? C'est par là que le Saint-Esprit nous amène dans le thème de ce matin. Abandonnez-vous à la providence divine. Or, gloire à Dieu. Je répète encore en disant, abandonnez-vous à la providence divine. D'aucuns se poseraient des questions, mais qu'est-ce que l'apôtre veut nous enseigner encore ce matin? Que ce message soit dirigé par le Saint-Esprit et que vous qui nous entendez de partout, que vous puissiez être conscientisés et que le Saint-Esprit travaille puissamment dans vos vies en rapport avec la grâce qui sortira d'ici. Bien-aimés, s'abandonner à la providence de Dieu, c'est vraiment une chose capitale qui devrait être la vie des enfants de Dieu. Comme souvent nous disons dans Lamentation 3, au verset 37 à 40, qui dira que les choses arrivent sans que le Seigneur l'ait ordonné, n'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Qui dira que les choses arrivent sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas que de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? S'abandonner, n'est-ce pas, à la providence divine devrait être le style de vie de tout incroyant ou de celui qui s'est dit chrétien ou suiveur de Christ. J'aimerais que tu comprennes une chose, que l'Éternel, notre Dieu, il est tellement bon et merveilleux et il ne veut que du bien pour tous ses enfants. Je dis encore
qu'il est extrêmement bon et merveilleux notre Dieu, et il ne veut que du bien pour ses enfants que nous sommes. S'abandonner à la providence divine, c'est le fait d'abord de croire à la bonté ou à la miséricorde absolue de Dieu, que Dieu existe, il est bon. C'est le fait également de se dire que tout ce que je fais dans ma vie doit être coordonné par Dieu. C'est aussi le fait de s'abandonner totalement, quelle que soit la situation, entre les mains de l'Éternel. Je dirais encore mieux, quelle que soit la nature de vos problèmes, quelles que soient les épreuves dans lesquelles vous êtes en train d'évoluer, quels que soient les défis du moment, celui qui s'abandonne à la providence divine, eh bien, c'est celui-là qui va triompher, n'est-ce pas, dans ce monde. Celui qui comprend que Dieu est le maître des temps et des circonstances, qu'il a le contrôle de toutes choses dans le moindre détail, que ce soit du côté de la lumière comme du ténèbre, c'est bien celui-là qui va marcher victorieux sur cette terre et des hommes. Ce matin, je lisais dans le livre de Matthieu. J'ai pensé beaucoup plus à l'histoire de Jésus-Christ quand les moments durs de sa vie étaient là, comme également chacun de nous a des moments de ténèbres. Peut-être également que pour toi, tu es en train de traverser ces temps qu'on appelle souvent le temps de Jacob. Christ avait aussi connu les moments de ténèbres dans sa vie. Et je l'avais commencé à Gethsémané. Le moment dur de sa vie était là. Tout en étant Dieu, il avait la capacité d'arrêter sur la main. Il s'est laissé, il s'est abandonné, n'est-ce pas, à la volonté de Dieu. Parce qu'il fallait que les Écritures s'accomplissent dans sa vie. Et c'est là, de cette façon-là seulement. Christ s'était abandonné complètement, n'est-ce pas, à la providence divine. C'est-à-dire, il savait que Dieu était bon, malgré les épreuves dans lesquelles il devait faire face, malgré la situation du leur, malgré tout ce qu'il devrait vivre ou traverser à cette époque-là, il savait que l'Éternel Dieu était au contrôle. Il était bon, 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 et tout ce qu'il faisait devait être bon pour lui. Suivons son exemple. Le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre maître, qui est notre exemple, il n'a pas eu à se plaindre concernant sa vie. Disant, Père, moi, qui ressuscitait le mort, moi qui opérais tant de miracles, moi qui guérissais des maladies incurables, moi qui faisais marcher des boiteux, moi qui faisais tout et rien ne résistait devant moi, qu'ai-je fait, Seigneur, pour mériter un tel sort, un tel châtiment? Il n'a pas dit cela. Parce qu'il savait que Dieu était bon pour lui. Et que seule la volonté de Dieu devrait s'accomplir dans sa vie. Le Seigneur Jésus-Christ s'était totalement abandonné à la providence divine. C'est aussi le fait de se mettre totalement à la volonté de Dieu. Et non, penser qu'il faut accomplir sa volonté. Chrétien du temps de la fin,
Es-tu suiveur de Christ? Chrétien du temps de la fin? Tu t'appelles chrétien? Tu l'es seulement du nom? Ou tu l'es du fond de ton cœur? S'abandonner à la providence divine, c'est le fait de laisser que la volonté de Dieu s'efface dans sa vie. Quelle que soit la nature des épreuves. Quelle que soit la hauteur de vos problèmes. Quelle que soit la profondeur de la vallée dans laquelle tu te retrouves. Sache-le que Dieu est au contrôle de ta vie. Dieu est au contrôle de ta carrière. Dieu est au contrôle de ton foyer dans les moindres détails. Si Christ disait, écoute, j'ai le pouvoir de faire toutes choses. Il pouvait aussi, quand on venait l'arrêter à Gethsémané, il pouvait également, comme il l'a dit, faire appel à la légion d'anges, il pouvait descendre. Mais il s'était soumis à la volonté de Dieu. À un moment, comme je vous disais l'autre jour, que Gethsémané, c'était un jardin de l'obéissance, là où le deuxième Adam avait récupéré le pouvoir à Satan. L'ennemi aussi est venu à Gethsémané pour tenter de voir, pour que Christ, parce que la Bible dit que l'angoisse avait animé son cœur, accepter ou ne pas accepter, accepter ou ne pas accepter, accepter ou ne pas accepter. Mais à plus de trois fois, le Seigneur disait seulement, « Seigneur, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, non selon ce que moi je veux, mais que cela soit fait selon ta volonté. » Et nous verrons pour la troisième fois sa prière. Il la conclut en disant, « Que ta volonté soit faite. » Est-ce que es-tu dans le cas où tu es en train de traverser des situations très difficiles dans ta vie? Est-ce que tu es dans le cas où tu ne comprends plus rien de ce qui t'arrive et tu n'as pas, selon toi, d'assurance pour l'avenir? Est-ce que tu es dans le cas où tu ne connais pas l'avenir de tes enfants demain et après-demain? Et tu te poses mille et une questions, mais que deviendraient mes enfants? Comment sera notre vie demain et après-demain? Voilà les questions que les chrétiens se posent. Et partout ils sont, ils se posent toujours des questions. Je disais que le Seigneur Jésus-Christ à Gethsémané s'était abandonné à la providence divine malgré les épreuves. Du moment, malgré ce que Dieu lui a montré qu'il devait traverser comme tribulation, qu'il devait traverser comme situation. Dans le livre de Matthieu 26, 39, il disait, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et à la troisième fois, nous pouvons remarquer qu'il a dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Ça devrait être, bien aimé, le cas pour tout un chacun de nous qui se dit chrétien, qui se dit suiveur de Christ. Mais il est malheureux de constater aujourd'hui que partout à travers le monde entier, les gens, comme également les nations,
voudraient plus que Dieu fasse leur volonté à eux. Chrétiens ou non chrétiens, même les nations du monde, voudraient tout simplement que leur volonté puisse s'exécuter sur la terre. Alors qu'ils oublient qu'il y a quelqu'un qui les a créés, qui a l'autorité sur eux, et lui n'agit toujours que dans sa souveraineté. Chrétien ou non chrétien, nation chrétienne ou pas, nous n'avons pas encore intériorisé le fait de pouvoir s'abandonner pour que la providence de Dieu agisse et opère dans nos vies. Au lieu de demander concernant ta situation, concernant ta maladie, concernant les troubles que tu traverses dans ton foyer, tu poses la question, Seigneur, que veux-tu que j'apprenne dans cette situation? Parce qu'il est bon. Ce n'est pas seulement pour que ce malheur t'arrive, pour que tu meurs, ou pour que, je ne sais pas, non, pour que tu échoues. Je dis bien qu'il est extrêmement bon. Et ses bontés sont sans limite. La Bible dit que sa miséricorde dure à toujours. Qui t'avait dit que parce que tu es chrétien, parce que tu crois en Dieu, et que les problèmes ne viendront pas dans ta vie ou dans ta maison. Qui t'avait dit que parce que tu es chrétien, parce que tu aimes Dieu, et que la maladie ne viendra pas dans ta maison. Dieu nous rassure des grandes, de bonnes choses, à la seule condition que nous puissions nous abandonner totalement à lui et de marcher conformément alors à sa parole. Oui, la Bible nous dit que vous aurez des tribulations. Mais dans tout cela, vous les avez vaincus en Jésus-Christ de Nazareth. Chaque fois que la situation vous arrive, surtout quand elle est mauvaise, des gens se posent des questions. Seigneur, qu'ai-je fait sur la terre pour mériter ce sort? Et comme maintenant, il y a la maladie qui est là partout, où les hôpitaux sont débordés, la pandémie est là, même les nations se posent des questions. Seigneur, qu'avons-nous fait pour mériter ce sort? Oui, Dieu peut permettre que les gens meurent aussi de cela. Dieu peut permettre également que des choses horribles puissent arriver. Ce n'est pas parce qu'il vous a haï, non. Il est en train de faire passer un message. Que les enfants et les dieux et les nations reviennent à lui parce qu'il est en train de vous parler, de vous faire passer quelque chose. Donc, devant des situations ténébreuses, posez-vous souvent la question, Seigneur, que veux-tu m'apprendre? Que veux-tu que nous apprenions derrière ces situations? Le Seigneur ne veut pas que le mal soit permanent dans ta vie, dans ta maison. Il ne veut pas que les maladies et la mort restent permanents dans ta vie, dans ta maison. Tu peux le permettre, pose-toi la question alors, Seigneur, que veux-tu que j'apprenne? Que veux-tu que j'apprenne? Que veux-tu que j'apprenne derrière cette épreuve, derrière ces tribulations, derrière ces problèmes?
Malheureusement, ce n'est pas le cas. Les gens ont difficile à s'abandonner à la providence divine. Les gens ont difficile à comprendre quelle est la volonté de Dieu dans leur vie. Les gens ont difficile, alors difficile, à comprendre que Dieu, dans tout ce qu'il fait, il ne veut que de leur bien. De dire à quelqu'un ce matin que le mal qui vous arrive, ou le malheur qui vous arrive, ne vous est pas seulement dit que parce que vous avez péché. Non. Car bien même que le péché est la cause de nos malheurs, oui, si tel est le cas, repentez-vous et revenez à Dieu, parce que tout le monde fait des erreurs. Qui que tu sois, membre de l'Église, pasteur, évangéliste, enseignant, tout qu'on soit, évangéliste, prophète, apôtre, tout le monde commet des erreurs. Mais ne demeurez pas dans ces erreurs-là. Quand vous reconnaissez les erreurs, n'argumentez pas. Repentez-vous et revenez vite à Dieu. Et le mal qui vous arrive ne veut pas toujours dire que parce que vous avez péché. Nous allons voir dans la Bible que beaucoup de cas également sont là parce que Dieu a voulu seulement manifester sa grâce et sa gloire. Vous savez, l'Éternel Dieu aime les situations très, très délicates. Là où le monde est fini, là où la sagesse des hommes est finie, est limitée, là où les hommes sont limités, et là où l'intelligence humaine est limitée. Des cas tout à fait vraiment alors impossibles. C'est alors que Dieu sert. Dieu aime des cas pareils. Des cas qui semblent être difficiles pour vous. Que vous les lui présentiez. Pour qu'enfin qu'il manifeste sa gloire dans votre vie. Je dis à quelqu'un que le malheur qui vous arrive, si vous abandonnez la providence de Dieu et vous croyez que vous devez dépendre de Dieu et vous sollicitez la miséricorde de Dieu en disant que Seigneur, que ta volonté se fasse et non ma volonté, Dieu est capable de changer le cours de votre histoire. Dieu est capable de te faire quitter de la maladie de là où tu es, de l'état de la maladie pour l'autre état de la guérison. Si seulement, si vous pouvez vous abandonner totalement à la providence divine. Je dis encore que le malheur qui vous arrive, ce n'est pas nécessairement pour vous amener à la destruction. Dieu peut, dans sa volonté permissible, le permettre également, juste pour manifester sa gloire. Bien-aimé l'Éternel, Dieu voudrait, dans tout ce que nous arrive, manifester sa gloire. Mais est-ce que nous comprenons tout cela, ou nous nous plaignons de temps en temps? Oui, il arrive de quoi que, à cause de ce que nous sommes, à cause de nos faiblesses, à cause de nos péchés, Dieu peut aussi frapper. Mais parce qu'il est extrêmement bon, quand nous revenons à lui, il est miséricordieux, il nous dit qu'il est lent à la colère, riche à bonté. Il est fidèle, capable et juste pour nous pardonner, également pour restaurer. N'est-ce pas, à nos vies. Osée 6, je vais lire à partir du verset 1 au verset 2. Je lisais Osée, chapitre 6, verset 1 au verset 2. Retournons à l'Éternel, car, ah, il a déchiré. Car il a déchiré, mais il nous guérira.
Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant sa face. Je dis à quelqu'un, quelle que soit la nature de vos problèmes, la nature du défi que vous voulez relever, Dieu est au contrôle dans le moindre détail. Il n'y a rien qui échappe devant sa face. Même ce qui arrivera demain, que toi tu ne connais pas, Dieu connaît cela. Mais est-ce que êtes-vous prêt à être ou à vous abandonner totalement à la volonté divine ou s'abandonner totalement à ce que Dieu fasse sa volonté dans votre vie, s'abandonner totalement à la providence divine? C'est-à-dire, quand on parle de la providence, Dieu, il est extrêmement bon, il est miséricordieux, qu'il a tout ce qu'il fait. Bon, tout ce qu'il fait, bon, mauvais, c'est en faveur de ses enfants. Tu connaissais quelqu'un qui n'était pas encore prêt, mais il insistait, Seigneur, donne-moi un travail. J'ai dit souvent aux gens que le retard de Dieu n'est pas un refus. Dieu peut permettre que les choses prennent un peu de temps dans tes prières. Ce n'est pas qu'elle a refusé. Elle est en train de te préparer pour de bonnes choses. Seigneur, donne-moi un travail. Je l'ai terminé. Tellement qu'il insistait, ok. Il a permis que le travail lui soit accordé. Aussitôt, il a fui l'église. Il est rentré dans une vie désordonnée. Et après, il était tombé malade. Quelle maladie? Il m'a dit qu'il devait l'emporter après. Je me pose la question, je te pose la question. Es-tu prêt de recevoir ce dont tu as besoin? Sauras-tu bien gérer la bénédiction que Dieu t'accorde? Seigneur, donne-moi les mariages. Alors que tu ne t'es même pas encore préparé pour être épouse dans un foyer. L'insolence, c'est dans ta bouche. L'insoumission, c'est en toi. Tu ne connais même pas comment arranger le lit conjugal. Et tu ne sais même pas comment préparer et faire la cuisine, mais tu cherches le mariage. Le retard de Dieu n'est pas un refus. Dieu peut encore te préparer pour que quand tu vas recevoir la bénédiction, que tu arrives alors mieux, savoir mieux comment la gérer. Je dis à quelqu'un, que s'abandonner, bien aimé, à la providence divine est la clé, n'est-ce pas, pour votre victoire. Quelle que soit la nature de vos problèmes, demande seulement que Seigneur, que ta volonté se fasse dans ma vie et non ma propre volonté. Et tu verras que quel que soit la nature de ce problème-là, parce que Dieu ne veut que de notre bien, si vous êtes sincère avec ce Dieu-là, Dieu se manifestera d'une façon incroyable, parce que c'est Dieu est celui des situations qu'on appelle le Dieu des situations difficiles ou impossibles. Là où l'intelligence humaine est limitée, là où la sagesse des sages est limitée, là où les nations du monde sont bloquées, et quand on les reconnaît,
il descend et il agit dans sa grandeur. Et les problèmes qui te préoccupent, à quelle situation êtes-vous confronté maintenant qui semble être une situation impossible? Posez-vous la question. À quelle situation êtes-vous confronté maintenant qui semble être une situation impossible pour laquelle tu te dis que je ne trouverai pas de solution? Dieu aime les situations pareilles. Et Dieu cherche celui qui va s'abandonner totalement à lui. Celui qui lui fera confiance, alors une confiance absolue pour manifester ce qu'il est. Luc 1, verset 37, bien-aimé, j'aimerais que nous puissions lire cela. Car rien ne lui est impossible. Donc rien n'est impossible à Dieu. Êtes-vous prêt à s'abandonner à la providence divine? Êtes-vous prêt à laisser que seule la volonté de Dieu s'accomplisse dans votre vie, dans votre maison? Parce que si tu es fidèle à Dieu, si réellement tu marches dans la crainte de Dieu, si réellement tu dis que Dieu est ton Père, si réellement tu sais que tu te reproches de si réellement tout ce que Dieu ne peut faire dans ta vie, c'est qu'il y ait du bonheur dans ta vie, qu'il y ait du bonheur dans ta maison, dans ton foyer, dans ta carrière. Les épreuves pourront venir, mais Christ les a vaincues. Et tout en étant cohéritier avec Christ, tu as également, tu as vaincu ces épreuves. Souvent, quand je vois notre frère et Michel Kibong ici, beaucoup de gens le voyaient quand ils font l'amener ici, trop maigre. Il avait dit, à peine, il marchait là. Je disais, prenez-moi la photo de ces messieurs. Dieu aime les situations aussi difficiles que ça. Et beaucoup le prenaient pour quelqu'un qui ne va pas faire un mois. À un moment, la médecine également ici était limitée. Il faut l'envoyer maintenant à l'étranger. Même là-bas, à l'étranger, là-bas, les médecins étaient. Ils savaient qu'elle allait mourir. Mais j'ai beaucoup aimé le monsieur, il ne faillissait pas dans sa foi. Il s'est accroché à la parole que Dieu a placée un jour dans ses vitères, ici que tu vivras, tu vas témoigner la gloire de Dieu. Aujourd'hui, vous le voyez en parfait état de santé. Alors que les gens pensaient qu'elle allait mourir dans un mois, dans deux mois, dans trois mois, dans quatre mois, dans cinq mois. Même ceux-là qui étaient en bonne santé sont morts. Lui qui était malade, Dieu l'a guéri. Et aujourd'hui, témoin de la grâce de Dieu. C'est Dieu capable de faire autant dans ta vie aussi. Il est capable de restaurer également tout ce qui était détruit dans ta vie, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, dans la vie de vos enfants ou un membre de famille. Il est capable de restaurer tout là où les médecins ou la médecine a échoué. Qui vous a dit que la situation qui vous dérange actuellement va vous détruire? Qui vous dit que la situation qui vous dérange maintenant va vous emporter? Qui te dit que parce que tu es frappé, je ne sais pas, de la pandémie COVID-19 ou je ne sais pas, du cancer ou du VIH ou de quoi, que nécessairement tu vas mourir? J'ai vu des cas pire que ta situation. Mais quand Dieu s'était intervenu, c'était le miracle. Ce Dieu-là n'a pas changé.
ce Dieu-là n'a pas changé. Je dis encore que ce Dieu-là n'a pas changé et ne changera jamais. Si vous croyez réellement la providence divine, si vous abandonnez alors à Dieu, totalement à Dieu, si vous ne reniez pas votre foi à cause de ta maladie, mais en demandant que Seigneur, que veux-tu que j'apprenne derrière cette maladie, derrière cette épreuve, derrière telle ou telle situation, que ta volonté se fasse. Tu es capable de permettre que tu sois la personne qui va témoigner pour la grandeur de son nom et de son royaume. Même des nations qui se plaignent aujourd'hui, bientôt c'est la récession. Oui, parce que j'ai lu beaucoup de... Je suivais des membres aux États-Unis hier, où le président américain a pris la décision en disant, que vous les vouliez ou pas, j'ordonne que les cultes puissent commencer à fonctionner. Il dit, mais vous ouvrez des buvettes, des restaurants, mais vous fermez des lieux de culte. Il a pris la décision, si vous ne voulez pas, de force, ça sera fait. Que cela soit fait selon la volonté de Dieu et non selon la volonté d'un homme. Dieu seul sait pourquoi il a permis ce temps de retraite pour que ceux-là qui ne le connaissent pas reviennent à lui. Également, beaucoup doivent rectifier leur tir, croyant qu'ils étaient dans le Seigneur alors qu'ils faisaient autre chose. Parce que Dieu ne veut que de notre bien partout où nous sommes, où nous serons, et tout ce qui nous arrive, Dieu ne veut que du bien pour nous. Bien-aimés, je pose encore la question à quelqu'un. Y a-t-il longtemps que vous espérez la résiliation ou l'accomplissement d'une promesse quelconque qui n'a jamais été faite? Je vais revenir un peu pour parler de l'histoire de d'Abraham et puis de Sarah. Ce couple avait reçu la promesse de Dieu pour avoir un enfant de la promesse. Il s'appelait Isaac. Un moment, ils étaient découragés. Mais la promesse de Dieu était toujours là. Ils étaient démotivés, mais la promesse de Dieu était toujours là. Ils ont même pris des raccourcis, notamment Sada qui va donner Agar à son mari. Ça, c'était la volonté de l'homme et non la volonté de Dieu. Il devrait rester soumis, n'est-ce pas, au dictat de la providence divine, parce que la providence de Dieu divine ne faillit jamais. C'est comme ça qu'ils ont fait des erreurs avant qu'Isaac n'arrive. Et ces erreurs-là font des dégâts jusqu'aujourd'hui à travers le monde entier. Parce qu'ils ont voulu faire leur propre volonté et non la volonté de Dieu. Parce que la providence divine ne faillit jamais. À cet âge avancé, Dieu a permis qu'Isaac vienne. Parce que Abraham et Sarah avaient jeté leurs manches après la cognée, c'est-à-dire qu'ils étaient découragés. Il n'était plus optimiste, n'est-ce pas, en ce qui concerne la promesse d'un fils que Dieu leur avait faite. C'est comme cela qu'à Sarah avait entendu que le temps et la vie lui seraient restaurés, elle ne pouvait pas s'empêcher de s'éclater de rire parce qu'elle voyait son âge. Elle ne pouvait plus croire, c'est ça la nature humaine. C'est comme cela que
Le Seigneur disait, y a-t-il quelque chose qui soit difficile pour l'Éternel Dieu? Il dit à Sarah. C'est la même question que le Seigneur te pose ce matin en rapport avec ta situation, en rapport avec ton problème, en rapport avec ta maladie, en rapport avec les épreuves que tu es en train de traverser. Y a-t-il un problème qui soit plus difficile ou impossible devant la face de Dieu? Je dis à quelqu'un que si tu as reçu les promesses de la part de l'Éternel dans sa parole, et si tu crois cela, parce que la providence de Dieu ne faillit jamais, revenez à cette promesse-là, Dieu l'accomplira, n'est-ce pas, dans ta vie. Je dis à quelqu'un qui est malade, qui est alité, je ne sais pas le nom de ta maladie, mais je sais que tu es alité dans un hôpital. Et tu me suis là où tu es. Tu es alité dans la maison. Tu es mise en quarantaine. À cause de ceci ou de cela. Une maladie contagieuse ou pas. Qu'est-ce qu'il y a de difficile devant la face de Dieu? Dieu était capable de restaurer les organes du corps dans le cas de Lazare, où le corps s'est décomposé déjà. Es-tu prêt à t'abandonner à la providence divine en disant, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner dans cette situation? Que ta volonté s'efface dans ma vie et non la mienne. Christ l'a fait devant les temps ténébreux de sa vie, les moments durs de sa vie, que j'appelle souvent le temps de Jacob, parce que tout le monde traverse également le temps de Jacob, le moment des batailles dures dans la vie. Christ a vu ce qu'il devait traverser comme épreuve. Il n'a pas dit, Seigneur, pourquoi tu me fais ça, Seigneur? Seigneur, s'il est possible que cette coupe s'éloigne, que je n'aboive pas, non selon ma volonté, mais que cela soit fait selon ta volonté. Voilà, il s'est abandonné à la providence divine. Et derrière cela, parce que Dieu a voulu accomplir sa volonté dans sa vie, au travers de l'œuvre de la croix, toute l'humanité avait été sauvée. Gloire à Dieu. Dans quelle situation te retrouves-tu? Tu crois que cela est impossible? N'es-tu pas sûr du lendemain? Le lendemain appartient à Dieu. Tu ne sais pas comment scolariser tes enfants? Le lendemain appartient à Dieu. Tu ne sais pas comment survivre demain? Le lendemain appartient à Dieu. Vous savez, si vraiment les gens ne pouvaient dépendre que des autres pour réussir la vie ou pour terminer leurs études, j'ai lu souvent que si cela ne dépendait que des autres ou des gens, alors Dieu n'allait pas agir. Mais comme cela dépend de Dieu, c'est seul lui qui a le secours pour toutes choses dans ta vie. Tu dis qu'il y a quelques personnes qui peuvent te faire étudier. Mais si tu as la détermination, tu vas étudier. Et appliquez ça dans la tête de vos enfants. Quand, ça m'étonne souvent quand les gens disent que je n'ai personne pour me payer les études. Je n'ai personne pour faire ceci, cela. Tu n'as personne, mais tu as Dieu et Dieu est là. Si ça demandait que des gens qui devraient venir en aide
un bienfaiteur pour te payer les études, pour te supporter tout qu'on sort. Beaucoup n'allaient pas terminer les études. Je prends mon cas. Depuis l'école primaire, Dieu m'a fait grâce. Je n'avais personne pour payer mes études. Personne. Mais j'avais la détermination de devenir quelqu'un dans la vie. Et seul Dieu était mon secours. Dieu a permis que également je termine tous les cursus jusqu'à l'université, j'étais ingénieur, parce que j'avais la détermination et personne ne payait le minéval. Je faisais les travaux de champ. Dieu a le contrôle de votre vie dans le moindre détail. Dieu, il a le contrôle de votre devenir dans le moindre détail. Le problème également, c'est vous. Est-ce que abandonnez-vous complètement à ces dieux-là? Est-ce que faites-vous confiance à ces dieux-là? Quelle est la nature de ton problème? Dieu nous dit, est-ce qu'il y a-t-il quelque chose qui soit difficile pour l'Éternel? Ah. Qu'est-ce qui, je ne sais pas, qui t'a dit que ton problème n'a pas de solution? Qui t'a dit que ta maladie va t'amener à la mort? Qui t'a dit que ta situation va rester comme telle? Parce que tu crois que tu es limité. Oui, justement, Dieu cherche des cas pareils. Où l'intelligence humaine est limitée. La sagesse des sages est limitée. Les savants sont limités, c'est là où Dieu agit. Mon Dieu agira également dans ta vie. Concernant ta situation, Dieu agira. Concernant ta maladie, Dieu agira. Concernant ton problème, Dieu agira et cela en ta faveur. Au nom de Jésus-Christ, pour la gloire de son royaume. Est-ce un rapport médical qui vous a déclaré positif est en train de vous rendre pensif maintenant? Un rapport médical de votre enfant, de votre mari, de votre femme ou des membres de famille. Un rapport médical déclaré positif pour telle ou telle maladie qui vous rend trop pensif parce que la science a déclaré, donc pour vous c'est confirmé. Je dis à quelqu'un que si vous vous abandonnez à la providence divine, le Seigneur Jésus-Christ va transformer ses rapports de la médecine. Là, on a déclaré que ta maladie est là parce que tu es positif. Dieu permettra que cela change. Là où c'était positif, que cela devienne négatif en cas de ta maladie. Qu'est-ce qui te préoccupe? Tu es allé voir un médecin, on dit que les tests de grossesse sont négatifs parce que tu as des cystes, des ceci, de. Il y a des fibromes ou des myomes ou quoi, tout qu'on sent. Je dis à quelqu'un de s'abandonner à la providence de Dieu parce que Dieu t'a créé comme femme pour être époux dans un foyer et mère de la multitude. Si vous croyez et que vous êtes dans un foyer, ces myomes, ces kystes deviendront des enfants pour témoigner de la gloire de Dieu. Je l'ai dit souvent, parce que Dieu nous a fait un cas pareil ici, dans ce ministère, dans le département des femmes fécondes. Notre sœur qui a 41 ans, que Dieu lui a donné le mariage. Maintenant, le problème, c'était quoi? Elle devait concevoir. Bien aimé, quand Dieu te choisit, quand Dieu commence une chose, Dieu la termine toujours. Et cela pour la gloire de son royaume. Dieu ne fait jamais les choses à moitié. Ce n'est pas le Dieu-là que moi je connais. Après ce mariage, je dis également, ce que tu attends maintenant, que cela également t'interpelle là où tu es, tu m'attends de partout.
pendant que je parle, une grâce sort d'ici pour te localiser aussi. Elle attendait également qu'elle devienne grosse, mais qu'elle n'a pas été la surprise du rapport de la médecine. À chaque instant, elle parle là-bas, non, ce sont des myomes, ce sont des kystes, et il rentre là-bas affaibli. C'est ça la mission de l'ennemi. Je disais à ma fille, qui t'a dit que ce sont des myomes? Oh, le médecin, ok. Moi, je dis que ce sont des enfants. Très abattu, parce que la science a déjà confirmé les résultats. Quelques mois après encore, elle répond encore, oh, on a dit, on a vu que de l'eau. Je dis que ce sont des enfants. J'ai pris les trois résultats là-bas. Et quand elle a pris conscience de sa vie, que c'est ce que l'homme de Dieu a déclaré, c'est ce qui va se faire parce que ça fait partie des promesses de Dieu. Hein? Ce sont des enfants maintenant. Hein? Maintenant, elle est à terme. Gloire à ce Dieu-là. Toi qui me suis de partout, là où tu es. Quels que soient les rapports de la science, quels que soient les tests qu'on a faits sur toi, pour n'importe quelle maladie, ça peut être un cancer, ça peut être un VIH, ça peut être une infection dans le sang, ça peut être une tumeur, n'importe quoi. Pendant que le rapport de la science est entre tes mains ou dans ta maison, concernant toi-même, ton mari, ta femme ou les enfants, laisse-moi te dire, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que le Seigneur Jésus-Christ qui a accepté de porter nos maladies sur la croix et qu'à travers ses maîtrisures, nous avons tous été guéris, que la guérison te localise là où tu es. Et qu'il puisse maintenant confirmer ta guérison par un rapport de la science qui va amener la confusion dans le rapport précédent parce qu'il est le médecin, alors le médecin par excellence. Et cela pour la gloire de ce royaume, au nom puissant de Jésus-Christ. Également, c'est pareil pour toi qui es dans un foyer, qui a longtemps entendu une conception, tu as longtemps entendu que tu puisses témoigner la gloire de Dieu. Je voulais te dire ceci, que Dieu t'a créé femme, époux dans un foyer, pour être une mère, alors une mère de la multitude. Quels que soient les rapports de la science, même si on a dit que tu n'as plus de trompe ou de matrice, même si on a dit que voilà, tu n'as que des myomes là-bas, on doit t'opérer. Même si on a dit que tu n'as que des kystes par-ci, par-là, on ne voit rien. Que le miracle qui accompagne notre sœur dans ce ministère, là où il y avait des myomes, là où il y avait des kystes, Dieu a transformé cela aux enfants. Que cela également soit ta portion, toi qui me suis de partout. Que cette grâce te localise là où tu es, dans ta maison, dans ton foyer, à travers le monde entier, afin de témoigner la gloire de Dieu, parce que notre Dieu, il est le Dieu qui rend l'impossible possible, et cela pour la gloire de ce royaume, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est acté dans ta vie. Bien-aimé, y a-t-il quelque chose qui soit difficile pour l'éternel Dieu? Il n'y en a pas. Le rapport de Jésus-Christ annulera tout rapport déclaré positif concernant ta maladie et le confirmera négatif. Et tout rapport de grossesse déclaré négatif, Dieu confirme cela positif, quel que soit les rapports de la science. Et c'est Dieu-là que moi je connais. Il agit. Il agit quand il agit. Même la science rentre dans la confusion la plus totale. Bien-aimé, je suis en train de parler de la providence divine. J'aimerais que nous puissions parler de deux cas ici. Dans la Bible. Pour que nous comprenions c'est quoi la providence quand les gens s'abandonnent à la providence divine, ce que Dieu est capable de faire dans leur vie. Également, je t'invite ce matin, quelle que soit la nature de ta situation, quelle que soit la profondeur de ta vallée, ou la hauteur de la montagne devant toi, ou la nature, ou la couleur de tes défis et problèmes, abandonne-toi à la providence divine et tu verras la main de Dieu Tout-Puissant qui va s'accomplir.
J'aimerais que nous puissions parler de deux cas ici. Nous allons voir un peu comment Dieu agit dans sa souveraineté quand les gens s'abandonnent totalement à lui. Le premier cas, c'est le cas de Joseph dans la Bible. Bien aimé, nous verrons l'histoire de Joseph dans Genèse chapitre 39, du verset 1 au verset 10. Joseph connaissait des choses depuis sa jeunesse, que tout ce qu'il était en train de traverser depuis sa jeunesse, c'était pour la gloire de Dieu. Il ne se plaignait jamais de tout ce qui lui arrivait comme problème. Depuis sa jeunesse, les troubles que Joseph traversait, il savait que c'était tout ça pour la gloire de Dieu. Voilà quelqu'un qui s'était abandonné à la providence, au dictat de la providence divine. Et tout celui qui s'abandonne au dictat de la providence divine, celui-là n'échoue jamais, parce que Dieu se manifestera dans toute sa grandeur. Prenons le cas de Joseph dans la Bible. Depuis sa jeunesse, ce jeune homme a traversé des situations terribles. Ses frères de sang l'haïssaient, ne voulaient pas de lui. Joseph était rejeté dans sa propre famille. La preuve en est que ils l'ont ramené, et là il partait pour tendre, on l'a envoyé pour aller visiter ses frères qui tondaient là-bas, qui faisaient la. Qu'est-ce qu'on a fait? Ses frères l'ont arrêté et l'ont jeté dans ce citerne en haut. Et Dieu avait permis également que dans ce citerne, qu'il n'y puisse pas avoir de l'eau. Mais eux, ils l'ont jeté dans ce citerne. S'il y avait de l'eau là-bas, peut-être qu'il serait mort. Mais Dieu était avec Joseph. Ses propres membres de la famille, à cause de la jalousie, le haïssaient. Mais Joseph avait toujours de l'amour envers eux. Tu es là dans ce cas également où tu es haï dans ta propre famille. Peut-être les gens du même sang que toi également te haïssent. Peut-être également que ton mari, parce que quand on se marie, on devait s'agir, ton mari est en train de te tailler, ou ta femme, je ne sais pas. Ou l'enfant qui a ton sang est en train de tailler, comme Absalom avait haï son père. Je ne sais pas. Mais Joseph, il comprenait c'est quoi être abandonné au dictat de la providence divine. Ok, ses frères l'ont vendu, avant qu'il soit vendu, parce que Jacob l'avait envoyé pour aller rendre visite à ses frères, qui étaient pétés les troupeaux, ils l'ont pris. Voilà, le monsieur que nous cherchons, on l'a pris et pouf, on l'a jeté dans ce citerne en haut. Dieu merci qu'il n'y avait pas d'eau là-bas, parce que Dieu était avec Joseph. Oh, bien-aimé, quand Dieu voudrait t'amener à des dimensions très élevées, Dieu va commencer à te préparer dans des épreuves terribles aussi dans la vie. Joseph n'avait dans sa tête pas autre chose que seule la volonté de Dieu s'accomplit. C'est comme cela qu'il n'haïssait pas même ses frères. Et pendant qu'on a essayé Joseph, Dieu était toujours avec Joseph. Je dis à quelqu'un, pendant qu'on est tenté de taillir, pendant qu'on fait de fausses accusations contre toi, pendant qu'on parle de mal de toi, si pas dans ta famille, dans le foyer ou ailleurs, Dieu est toujours avec toi. Si tu t'abandonnes alors à sa providence. Joseph était haï.
Mais Dieu était avec Joseph. La première année qu'on l'a jeté dans le citerne à eau, Dieu était toujours avec Joseph. Et Dieu a également fait qu'il n'y ait pas d'eau dans ce citerne de là aussi. Même dans le citerne d'eau là où il était, Joseph ne se plaignait pas. Il avait pleinement confiance en Dieu. Il n'avait pas eu peur dans le citerne. Non. On ne nous a pas dit là-bas que Joseph a eu peur. Non. Joseph était là. Mais il avait pleinement confiance en ce Dieu, tout jeune qu'il était. Et pendant que le commerçant et le marchand passaient par là, quelqu'un dit, non, ne tue pas notre frère. Dieu a mis la confusion entre eux. Je dis à quelqu'un que Dieu mettra la confusion dans le camp de vos ennemis. Comme il a mis la confusion parmi les frères de Joseph, les uns diraient, tuons-le. Les autres disent, non, notre frère du sang. Parce que Dieu était avec Joseph, Dieu a suscité la confusion dans le camp des ennemis de Joseph. Si tu peux t'abandonner à ces dieux-là, en comptant plus sur la provision divine, Dieu ramènera également la confusion dans le camp de vos ennemis. Que ce soit dans votre famille, que ce soit là où vous travaillez ou ailleurs, Dieu amènera la confusion dans le camp de vos ennemis parce que tu as pris la décision de t'abandonner totalement à lui. Et quand la confusion était là, il y a eu un marchand qui passait par là. Et pendant la confusion, c'est Dieu qui a permis cela. On a encore tiré pour le vendre maintenant à ce marchand-là. Même en les vendant, Joseph ne s'était pas plaint que la volonté de Dieu se fasse dans ma vie. Dieu avait un plan merveilleux pour lui. Il y a quelqu'un, tout ce qui t'arrive dans la vie, comme Lamentation nous le dit, qu'est-ce qui peut vous arriver si Dieu ne le permet pas? Tu peux croire que tu es en train de traverser une situation désastreuse, elle est très mauvaise pour toi. Ça te décourage même de chercher Dieu. Tu es même découragé. Joseph ne t'était pas découragé en rapport avec la situation qu'il traversait. Dieu cherche quelqu'un avec un cœur pareil. On l'a vendu auprès de ce marchand, commerçant. Même si on l'a vendu à coup d'argent, Dieu n'était pas dans l'argent qu'ils ont réussi parce qu'avec cet argent là-bas, ils n'ont rien fait avec ça. Mais Dieu était avec Joseph. Et ils ont pris l'argent. Je n'ai jamais vu. Dans la Bible, on dit que l'argent qui a servi la vente de Joseph, cet argent. Avec ça, ses frères sont devenus des millionnaires. Je n'ai jamais vu cela. Dieu n'était pas avec cet argent. Dieu était plutôt avec Joseph qui était haï, qui était rejeté, qui était vendu. Voilà la providence ou les dictats de la providence divine. Et lui aussi, le marchand là, le commerçant là, pour lui, c'était une affaire. Il va encore vendre Joseph. N'est-ce pas? À général Potiphar. Le chef de l'armée là-bas. Joseph a été vendu deux fois. Je ne sais pas combien de temps tu as vécu d'humiliation dans ta vie. On va te haïr à la famille. Tu es haï dans ton foyer. Tu es haï par la belle famille. Il y a ceci, il y a cela. L'humiliation sur l'humiliation. Je dis à quelqu'un, abandonne-toi seulement au dictat de la providence divine. Ceux-là qui te haïssent, tu t'accroches à Dieu. Ils seront les premiers à venir te demander pardon. Pire encore, Joseph humilié encore, il a été vendu encore deux fois chez Potiphar. Parce que Dieu était avec Joseph, parce que Joseph s'était abandonné totalement au dictat de la providence divine,
La Bible dit que tout ce qui était dans la maison de Potiphar était en train de prospérer à cause de Joseph. Si réellement tu peux t'abandonner ce matin au dictat de la providence divine et de ne pas régner ces dieux-là en rapport avec ta situation, tout ce que tu toucheras aussi à travers tes mains sera béni. Parce que l'ennemi n'était pas éloigné de pouvoir s'attaquer à Joseph, toujours dans la maison de Potiphar. Joseph était, on dit qu'il était un beau garçon, très aimé de son chef, Potiphar. Ah! Le diable est allé maintenant s'infiltrer dans la vie des femmes de Potiphar pour séduire Joseph. Dieu te préservera de beaucoup de choses, mais toi également, fais attention, sois éveillé dans ta marche pour ne pas tomber dans le piège de Satan. L'ennemi voyait que Joseph avait dessiné meilleur. Comment l'avoir? On l'a raté. On a fait ceci. Il n'arrive pas à régner son Dieu. On va maintenant lui envoyer une femme, Delila, du genre Delila. Et cela nombreuse pour séduire les gens. Pas seulement dans la maison de Potiphar, mais cela nombreuse. Partout. Les Delila sont là. L'esprit de Delila. Joseph, à cause de la crainte qu'il avait pour son Dieu, il n'a pas voulu s'essuyer. Il n'a pas voulu commettre de péché d'adultère. Il n'a voulu garder sa relation propre avec Dieu. Ça lui a coûté quoi? L'emprisonnement. Tout en étant juste devant Dieu, il y a une fausse accusation. Et Joseph est allé où? En prison. Je dis à quelqu'un qui m'attend de partout, tu peux être dans un foyer, tu es faussement accusé. Peut-être au niveau du travail également, tu es faussement accusé auprès de tes chefs. Également, quelque part, tu es faussement accusé et maintenant tu fais la prison. Tu es là à l'étranger ou ici, dans tes pays, tu es prisonnier. Et c'est quoi, tu as mon Dieu? Est-ce que peux-tu t'abandonner complètement au dictat de la providence divine comme Joseph? Joseph a été accusé faussement. Toi également dans ton foyer là, tu es accusé faussement. Si pas par ton mari, par ta belle famille. Là où tu travailles également, tu es accusé faussement. Mais Dieu était avec Joseph parce que Joseph était sincère. Et Joseph n'avait pas trahi, il a refusé de pécher contre son Dieu. Et Dieu était toujours avec lui. Si tu me suis de partout là où tu es, que tu sois dans un foyer, humilié et rejeté, que tu sois dans une famille, humilié et rejeté, que tu sois dans une entreprise, humilié et rejeté, faussement accusé, et même tu es victime de l'emprisonnement. Ce Dieu, c'est un Dieu de justice. Joseph a fait 2 ans presque en prison. Et parce qu'il était juste avec Dieu, il ne s'était pas plaint, Seigneur. Qu'ai-je fait, moi qui étais vraiment propre, moi qui étais ceci, cela, moi qui ai refusé le mal, pourquoi ai-je fait ou suis-je en prison? Il n'a pas dit cela. Joseph s'était abandonné à vivre le dictat de la providence divine.
Et la suite des événements, c'est quoi? Oui, il a fait la prison. Même en prison, là, Dieu était avec lui. Et la preuve en est qu'il était devenu chef à la prison. Toi qui me suis de partout. Quelles que soient les accusations portées contre toi, si tu crois, mon Dieu te justifiera comme il a justifié Joseph en prison. Même dans un foyer, mon Dieu te justifiera comme les effets Joseph en prison. Bien-aimé, la suite dans tout cela, c'est quoi? Comme Joseph s'était abandonné au dictat de la providence divine, laisse-moi te dire, Dieu a permis que Joseph traverse toutes ces épreuves-là et de la prison. Après sa prison, Dieu a permis qu'il soit sorti de la prison pour maintenant être au palais. Quel palais? Palais royal. Pas seulement palais royal, Dieu a permis également que l'humiliation qu'il a connue depuis sa jeunesse, parce qu'il s'est jamais régné, il n'a jamais régné ce Dieu-là, mais il s'était abandonné au dictat de la providence divine. De l'esclave qu'il était, du prisonnier qu'il était, Dieu a fait de lui un premier ministre dans un gouvernement à l'étranger. Et cela, ce n'est pas même limité là-bas. Dieu l'a doté d'une sagesse extra, à telle enseigne que même la crise qui avait sévi l'Égypte à l'époque, Dieu lui a donné l'intelligence comment faire pour juguler cette crise-là. Et il a été le premier ministre le plus éminent que le monde n'a jamais connu, parce que Dieu était avec lui. Je dis à quelqu'un qui me suit de partout, es-tu prêt à t'abandonner au dictat de la providence divine? Vis-tu dans l'humiliation? Dans ton foyer, en tant que femme, ou peut-être l'homme dans la belle famille, vis-tu des fausses accusations dans ton foyer ou là où tu travailles? Laisse-moi te dire, tout ce qui t'arrive et tout ce que tu es en train de traverser, si tu peux comprendre que Dieu a un plan merveilleux pour toi, comme il a fait pour Joseph. Si tu peux t'abandonner au dictat de la providence divine en disant que Seigneur, dans la situation que je me retrouve, que veux-tu m'enseigner? Que ta volonté se fasse dans ma vie et non ma propre volonté. Et quand tu vas t'abandonner totalement à Dieu, Dieu va te restaurer plus. Comme il a restauré Joseph. Dieu va te justifier plus comme il a justifié Joseph. Je dis à quelqu'un qu'il n'y a pas de couronnement sans la croix. Il n'y a pas de couronnement ou il n'y a pas de couronne sans la croix. Dans quelle situation te retrouves-tu? Es-tu rejeté dans ton foyer? Es-tu rejeté dans ta famille? Es-tu rejeté dans ton entreprise? Es-tu victime de fausses accusations? Abandonne-toi seulement au dictat de la providence divine. Dieu te restaurera comme il avait restauré Joseph. Je permettrai que tu sois la personne qui va témoigner comme Joseph avait aussi témoigné. Laisse-moi te dire que tous les amis de Joseph, depuis sa famille, ils sont venus maintenant s'agenouiller devant Joseph.
pendant que tu me suis de partout, tous ceux qui t'ont faussement accusé, tous ceux qui ont monté le coup contre toi, tous ceux qui ont préparé de mal contre ta vie, contre ton foyer, contre tes affaires, contre ta carrière, contre ta maison. Parce que tu resteras ferme de ne pas broncher devant ces dieux-là. Dieu va te restaurer. Dieu va te justifier. Les ennemis viendront s'agenouiller devant toi. Et tu vas le diriger. Tu vas maintenant le conduire par ton témoignage à Dieu. Et c'est là pour la gloire du royaume de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà, bien-aimé, un cas de quelqu'un qui s'est abandonné au dictat de la providence divine. Pour enfin terminer, je vais prendre le deuxième cas, bien-aimé. Le deuxième cas, bien-aimé, c'est le cas de Job. Oh, gloire à Dieu. Et pendant que on va passer au deuxième cas, qui peut être le dernier cas, que la chorale puisse nous interpréter un chant. Et c'est là pour la gloire de notre Dieu. Et pendant que Dieu fait grâce, là où tu as suivi ce message, victime d'une fausse accusation. Tu as suivi ce message. Tu traverses une situation désastreuse. Tu as suivi ce message. Tu te vois bloqué. Pour toi, il n'y a plus de solution. Tu as suivi ce message. Tu es entré te poser une mille questions, Seigneur, pourquoi un tel sort? Change ta façon de raisonner maintenant. Et pense à ce que Christ avait donné comme réponse. Ou la question, ce que Christ faisait avec Gethsemane en rapport avec la situation qu'il traverse. Seigneur, que veux-tu m'apprendre dans ce que tu dois te dire? Que veux-tu m'apprendre dans cette situation? Au lieu de plaindre, Seigneur, pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Si tu crois, mon Dieu, les épreuves feront que tu puisses célébrer un jour la gloire de Dieu. Avant, nous puissions voir le cas de Job, qui était aussi personne intègre. Job n'était pas celui qui avait une vie désordonnée, mais la Bible dit que c'était une personne intègre, craignant Dieu. Mais Job a été visité. Qu'on chante un peu pendant qu'on nous chante. J'aimerais que tu puisses t'interpeller là où tu es et que le Saint-Esprit t'interpelle en rapport avec ce message. Que la situation dans laquelle tu te retrouves n'est pas là pour te condamner à la destruction. Mais Dieu permet dans sa volonté permissible afin que sa gloire se manifeste. Pendant que le Saint-Esprit est en train de travailler dans le monde, je me dis que pendant qu'on chante, pose-toi des questions intérieurement. N'est-ce pas que tu es concerné? N'est-ce pas que tu poses des questions? Pourquoi ceci, cela dans ma vie? Pourquoi ma vie est tourmentée? Pourquoi ma maison est tourmentée? Pourquoi ma santé est tourmentée? Pourquoi les tribulations dans ma vie depuis ma jeunesse? Pourquoi depuis que je suis dans ce foyer des problèmes sur problèmes? Je te pose des questions. Que le Saint-Esprit t'aide à comprendre ce message. Et que l'onction du Saint-Esprit qui est libérée dans cet endroit puisse également te localiser par ta vie. Afin de comprendre que Dieu est en train de préparer pour de grandes choses. Joseph, depuis sa jeunesse, il a connu des situations terribles. Il avait connu le rejet. Il avait vécu l'humiliation. Il a même été vaincu deux fois.
y avait un père qui l'aimait beaucoup. Mais la jalousie de la famille a fait qu'il lui-même s'en va. Lui qui était bien dans la maison de son père, Joseph s'est retrouvé esclave. Malgré tout cela, il ne s'est jamais posé des questions. Et il n'a jamais renié ces dieux-là. Il savait seulement que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je ne sais pas quelle est ta situation, dans quelle épreuve Dieu est en train de te faire passer. Dans quel trouble de la vie Dieu est en train de faire traverser. Fais-tu quoi? Vis-tu quoi dans ta maison? L'humiliation dans ton foyer? L'abandon, le rejet, l'injustice? Et si à cause de cela, tu t'es détourné de Dieu, cherche maintenant une occasion de revenir à ces dieux. Parce qu'à un moment, tu t'es dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais dans ma vie? Ah, je fais maintenant ce qui moi me semble. J'ai allé dans une vie en dehors de Dieu. Parce que l'ennemi t'a fait révolter contre Dieu. Reviens. Reviens, si Dieu, s'il te plaît. Il est lent à la colère, il est riche en bonté. Souviens-toi que Joseph, malgré les tribulations, il n'a jamais renié ses dieux. Il s'est jamais branché, il n'a jamais accepté de tomber dans le mal. Mais il a cherché plus à garder sa vie propre, sa relation intacte avec Dieu. Et Dieu l'a justifié à la fin. Dieu l'a restauré à la fin. Dieu a fait de lui encore un grand, un grand. Même ses frères, ses ennemis sont venus juste pour lui demander pardon parce qu'il était innocent. Que Dieu t'accorde la grâce, bien-aimé, là où tu es. Que tu es tombé à cause des tribulations de la vie de revenir à Dieu. Que tu es tombé en reniant ses dieux à cause des épreuves de la vie. Revenez à Dieu avant qu'il ne soit tard. Les épreuves qui t'arrivent ne sont pas là pour te détruire. Mais Dieu voulait manifester sa gloire encore plus dans ta vie, dans ta carrière, dans ton foyer et dans tout ce que tu entreprends. Que Dieu soit glorifié, bien-aimé. J'aimerais que nous puissions parler alors du cas de Job. Que nous voyons dans Job chapitre 1, verset 1 au verset 22, 2, également 1 à 13. La Bible nous dit ceci, bien aimé, que Job fut une personne intègre. Mais Dieu avait permis à Satan de toucher à sa vie, à ses enfants, à ses biens, sa santé, tout alors. C'est Dieu qui a permis. Job n'avait pas péché. Mais dans la volonté permissive de Dieu, l'accusateur, le diable, quand Dieu avait convoqué la réunion des enfants au ciel, Satan aussi était là. Dieu lui posait la question, as-tu vu mon enfant Job? L'accusateur a dit, il a tout cela parce que c'est toi qui l'as dit, tu le protèges. Essaie seulement de le ravir. Tu verras comment il va te tourner les dos. Bien-aimé, c'est le deuxième cas où nous voyons quelqu'un qui s'est abandonné totalement au dictat de la providence divine. Job avait beaucoup de moyens, l'homme le plus béni de ce coin-là. Une personne intègre, craignant Dieu. Mais Job a été frappé. Frappé d'une façon terrible où il a même perdu tous ses enfants, il a perdu ses biens, il a même perdu sa santé. Dans tout cela, Job n'avait pas renié sa foi.
On l'avait poussé de renier Dieu. Job ne l'a jamais fait. Job s'était laissé complètement au dictat de la volonté de Dieu. Je ne sais pas dans quelle situation tu te retrouves. Je te dis, mais tu es innocent, tu ne connais rien. Mais pourquoi es-tu victime de cette situation? Pourquoi as-tu perdu un enfant? Pourquoi as-tu perdu une femme, un mari, un membre de famille à cause de la maladie alors que tu pries? Tu es chrétien, tu es chrétien. Pourquoi cela t'arrive? Job n'avait pas péché. Dieu ne fait rien au hasard. Dieu peut permettre les choses dans sa volonté permissible pour encore manifester davantage sa gloire dans ta vie. Job n'avait pas péché. Mais voyons dans Job chapitre 1, verset 22, on lui dit, malgré tout ce qui est arrivé à Job, on dit, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injustice à Dieu. Es-tu malade? Dans un lit d'hôpital ou à la maison? Tellement que tu es souffrant, tu as même renié Dieu, tu as renié ta foi. Tu oublies que c'est Dieu-là qui est capable même de changer le nom de ta maladie et d'amener la guérison pendant que tu fais ce message et amener la confusion dans la science. Job s'était complètement abandonné au dictat de la volonté divine. Dieu cherche quelqu'un ce matin qui va se repentir et venir. Chez quelqu'un ce matin qui est en train de traverser des moments très durs dans sa vie, dans son foyer, dans sa carrière, dans sa santé. Parce que Dieu voulait manifester sa grâce, sa gloire. Dieu cherche des cas qui semblent être difficiles au monde. Des cas que toi tu appelles difficiles dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer. Mais c'est tout que c'est impossible. Dieu cherche un cas pareil ce matin. Et toi qui me suis, si réellement tu peux t'abandonner au dictat de la providence divine, Dieu fera que tu sois la personne qui manifestera sa gloire. Parce que Job s'était complètement abandonné au dictat de la providence divine. La conclusion pour Job, c'était quoi? Job qui avait tout perdu. Il a perdu ses enfants. Il a perdu ses biens. Il a perdu tout, même sa santé. Pendant que même sa femme lui a poussé de renier ce Dieu-là, Job, il avait compris que toutes choses concourent bien ceux qui aiment Dieu. La maladie qui les rongeait là-bas, les tribulations qui les rongeaient là-bas, il savait que Dieu était le rédempteur. Il se levera le dernier. Il est capable également de se lever en ta faveur ce matin. Si tu peux te repentir, revenir et t'abandonner totalement à lui, et te dire que tu acceptes de vivre le dictat de la présence divine. Tout ce que Dieu fait pour nous, quand nous voyons que c'est mauvais ou bien là-bas, Dieu le fait pour notre bonheur. Et Job 42, 12 nous dit que pendant ces dernières années, quand Dieu a restauré Job, Job a reçu de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Voilà, bien-aimé, le fait de s'abandonner au dictat de la providence divine, bien-aimé. Ce Dieu-là ne connaît pas de restrictions à la hauteur pour te bénir. Ce Dieu ne connaît pas certaines limites qui vont l'empêcher d'agir dans ta vie. Dans sa plénitude, il est capable de restaurer. Dans sa plénitude, il est capable d'agir. Dans sa plénitude, il est capable. Laisse-moi prophétiser pour toi qui me suis de partout. Partout où tu es, parce que tu as suivi ce message. Parce que tu crois
à ce Dieu. Parce que tu crois que c'est Dieu le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que le miracle qui a visité Joseph puisse te viser également. Au nom de Jésus-Christ. Le miracle qui a visité Job te localise partout dans où tu viens. Au nom de Jésus-Christ. Et que tes tribulations soient transformées en acclamation pour Dieu. Que tes défis deviennent l'objet de témoignages dans ta vie. Que ton humiliation, ton rejet, soit transformée en la restauration. Et que tes ennemis retrouvent en toi un cachet de Dieu, une élévation sans précédent. Et cela pour la gloire de mon Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Laisse-moi prier avec vous ensemble. Pour enfin clôturer là où tu es, je déclare que tout ce que l'ennemi croyait être impossible pour toi, que cela devienne possible aujourd'hui et maintenant dans ta vie et dans n'importe quel secteur de ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que tu suis tes messages partout, là où tu nous suis, à travers le monde entier, que la faveur qui avait localisé Abraham et Sarah d'avoir Isaac à l'âge avancé, te localise également partout où tu es. Si tu crois, si réellement tu crois, mon Dieu amènera la confusion dans la science. Mon Dieu te visitera dans le foyer, là où tu es. Où tu es resté pendant 5, 10, 20, 30 ans sans avoir un enfant. Si Dieu est capable, il est capable que tu puisses réécrire l'histoire de ta vie. Que l'humiliation puisse te quitter. Que la honte puisse quitter ta vie. Et cela au nom de Jésus-Christ. Laisse que la faveur, la grâce, la guérison et les bénédictions qui avaient localisé Joseph et Jean vous localisent partout où vous êtes. Et cela pour la gloire de Dieu Tout-Puissant, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Dieu de toute grâce vous bénisse. Je déclare la guérison dans vos corps qui sont malades. Quel que soit le nom de la maladie. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de ta maladie. Reçois la guérison dans ton lit, au nom de Jésus. Reçois la restauration dans ton lit, au nom de Jésus. Reçois la justification dans ton lit, au nom de Jésus. Et la visitation divine dans ton lit, au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Shalom. Thank you.